Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le courrier que j'ai reçu de Maria et ensuite le concours que j'ai gagné de Cynthia Créa. Donc voilà. Donc on commence par la petite carte de Maria qui est comme d'habitude très belle, toute simple mais très belle. Voilà, aime ce que tu fais, ça c'est sûr. Donc là, elle a mis des petits strass. Elle a tamponné donc des fleurs avec un petit nœud papillon là. C'est super chouette. Donc voilà. Et donc, je pense que ça, c'est ancré. Donc là, le fond, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il est de la même couleur que là. C'est super chouette. C'est très joli. Donc voilà. Elle m'a envoyé plein de feuilles cartonnées. Alors ça, c'est super parce que comme ça, je vais pouvoir refaire des mini-albums. Parce que ça, c'est une chose qui m'a bien plu. C'est facile à envoyer. Donc du coup, elle m'a mis plein de doubles. Donc il y a comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Donc comme ça. C'est tout dans les mêmes tons, c'est très joli. Il y a celle-là. C'est des notes de musique. Là, c'est des papillons. Là, c'est écrit. J'aime bien ce style-là, comme ça. Ça fait comme des courriers... Commencer et pas terminer. Elle m'en a mis un bon paquet. Hein. J'ai de quoi faire. Hein. Merci Maria. Hein. Donc il y a comme ça. Là c'est des fleurs. Pour le chabi, ça va être chouette. Pour une carte chabi. Après il y a comme ça. On a bleu. Là, c'est pareil, on a encore bleu. C'est bleu, hein, en fait, c'est bleu marine un peu. C'est très joli, c'est des feuilles, j'aime beaucoup. Là, c'est écrit, alors en bleu, toujours bleu et noir. Ça rend super chouette. Là, c'est du bleu. Là, du vert. Et celle-là, elle est des deux côtés. Et là, c'est des petites fleurs. Donc rose et vert. C'est très joli. Là, c'est des papillons, des roses. Donc voilà, ça en fait un petit paquet. Alors, elle m'a mis un petit morceau. Je n'ai pas eu le temps d'essayer, mais je vais essayer bientôt. Donc Maria, je te redirai. C'est de la peau de chamois. Alors j'essaierai. Elle m'a dit que c'était pour effacer sur les tampons, pour nettoyer les tampons. Donc je vais essayer. Donc voilà. Et là, elle m'a fait un petit sachet. Donc, elle m'a mis du masking tape. C'est façon couture. J'aime trop bien. Je vais l'ouvrir. J'avais les filles, alors du coup, j'ai pas tout. J'ai regardé en gros, on va dire. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai arrivé à défaire ce scotch? Ah. C'est mal fait ça. Bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop chouette. J'aime beaucoup. Ça fait les mesures, ça fait un mètre. Alors ça, j'ai une boîte naissance à faire. Je vais m'en servir pour faire. Vous savez, je marque s'il fait, admettons, 50 cm. Voilà. Et elle m'a fait un super porte-clés avec une capsule altérée.
Donc, je pense que c'est Nespresso. Alors, ça, c'est trop chouette. Et en fait, c'est un ange. C'est trop, trop joli. Merci beaucoup, Maria. C'est vraiment. Je vais le pendre là, juste en dessus. C'est trop chouette. Vraiment, merci beaucoup. J'adore. Donc, voilà encore une autre façon de se servir des capsules. Donc, elle a mis des petites perles et un petit ruban. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maria. Et donc, là, c'est le. Alors, j'ai gagné le concours de Cynthia Créa. Elle a une chaîne, si vous voulez aller voir. Donc, là, c'est le lot que j'ai gagné, en fait. Donc, voilà. Alors, donc, elle m'a fait. Hop. Je vais vous faire voir. Elle a fait une appui enveloppe, une Lodi d'enveloppe. Donc voilà, là. Alors ça, j'adore. Cynthia, je voudrais bien que tu me dises où tu as trouvé ton petit ruban là, parce qu'alors ça, j'aime trop. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, ton appui, ça l'audit. Ça fait oui, une appui enveloppe finalement, parce que ça fait comme une grande enveloppe. Donc, dedans. Sa carte, donc voilà, elle a mis une rose en mousse 3D, donc je sais pas si vous allez, voilà, donc elle est très jolie, des couleurs très claires, j'aime beaucoup, j'aime bien le pastel en plus, donc voilà, donc ça c'est des créations, une créa qu'elle a fait, donc c'est rosace. Et donc là, elle a mis une petite chaussure. Là, je trouve que ta présentation est très belle. Donc là, elle m'a mis une fleur. Donc voilà, c'est tout. Elle m'a tout emballé ça correctement, on va dire. Là, c'est des petites fleurs qu'elle a fait elle-même en mousse 3D. Donc voilà, tout superposé. Cynthia, enfin, je voudrais savoir si je peux les réutiliser pour les renvoyer à d'autres personnes. Donc voilà. Donc tu me diras en commentaire. C'est très joli. Elle a mis des strass rouges là. Je les ai jamais vus ceux-là hein, à Action. Elle a des blancs. C'est vraiment. Moi j'adore les fleurs. Voilà. En plus, superposées comme ça, c'est trop joli. Donc là, elle a mis des petits stickers. Voilà, qui font plutôt enfant. Là, elle a refait des embellissements, donc sur, je pense que c'est des découpes là derrière. Et là, il y a comment la Reine des Neiges. Là, c'est un oiseau. C'est très très joli. Donc voilà, si tu me diras si je peux me resservir tes embellissements dans mes créations, on va dire. Là, c'est des comment? Ah, j'ai oublié. Des étiquettes autocollantes. Ouais, enfin bref. Donc voilà. Donc là, encore des embellissements. Donc là, ça a été fait avec du papier crépon, il me semble. Du papier crépon, elle a fait sa rosace en papier crépon et donc elle a mis une découpe de rose, c'est très joli sur un rond en dessous, c'est vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a beaucoup de créations qu'elle a fait elle-même et moi j'aime quand on fait les créations. Alors ça c'est des aimants, alors ça c'est trop bien. Donc voilà. Encore des fleurs qu'elle a fait elle-même. Et vu que j'aime, voilà. Je suis gâtée, j'ai plein de fleurs comme ça superposées. Rien que pour ça, je suis contente d'avoir gagné ton concours. Et là, c'est des puffy stickers. Bah, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, il y en a de toutes sortes.
Et donc là, un petit carnet de coloriage. Donc voilà. Et donc, oui, je pense que c'est plus une happy enveloppe, on va dire. Un happy mail, quelque chose comme ça, quoi. Que plutôt une lodine. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, je trouve que ça change de l'ordinaire de faire une grande enveloppe comme ça. Donc voilà. Donc Cynthia, je te remercie beaucoup parce que j'ai gagné ce concours. Donc voilà, et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.